Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer quelque chose d'assez spécial. Donc, commençons. Donc, ici, on a une lampe. Donc, c'est une vieille lampe de cave. Voilà, donc que j'ai récupérée sur un chantier. Voilà. Donc, elle était sur un tas. Là où ça devait partir à la poubelle. Voilà, donc le tas déchetterie. Et j'ai trouvé ça. Voilà, donc c'est une vieille lampe. Voilà, donc la maison, enfin le compteur électrique qu'il y avait, il date de 1961. Voilà. Donc bon, je pense que cette lampe, elle doit dater fin 50, à peu près. Voilà. Donc pour son âge, elle est pas rouillée du tout. Voilà, donc ces lampes-là, elles ont tendance à vieillir, mais celle-là, elle a aucune trace de corrosion. Il n'y a vraiment rien qui a rouillé dessus. Voilà, donc le truc il est en parfait état. Après, il y a un coup de nettoyage à faire, ça c'est sûr. Là, quand on voit comme c'est sale. Là aussi, le réflecteur, donc couleur vert. Hein. Et ici, on a un truc en laiton avec sa douille. Voilà, donc il y a encore un peu de boulot à faire sur cette lampe pour la remettre dans son état. Mais là, on a des vis. Là, pour retirer cette partie-là. Donc ça fait encore un œuf de Pâques. Mais je vais réparer ça. Enfin, je vais essayer de redresser ça un peu mieux et recentrer la douille. La douille, elle a un filetage. Voilà. Elle est filetée là-dessus. Donc je suis vraiment content d'avoir pu récupérer cette lampe. Voilà. Hop. Donc elle est en parfait état. Hein. Voilà. Hop. Donc on va mettre une lampe. Donc une lampe classique. Hein. On va mettre une 110 volts. Voilà. Donc ça rend vraiment bien. Voilà. Donc c'est une très très belle lampe. J'adore ce style de lampe. Voilà. C'est simpliste. Mais c'est super stylé. Voilà. C'est pas comme de nos jours où ils foutent du plastique là où ils peuvent. Voilà. Là, il y avait encore de la qualité. Enfin bon, dans une autre vidéo, je vais vous la montrer nettoyée et fonctionnelle. Voilà. Donc, voilà. Ce sera tout dans cette vidéo. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!